Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 16e épisode sur Chain Echoes. Et donc, on n'était pas allé voir ce qu'il y avait. Oh oui, mais on est bloqué par ces arbres là. Donc, ok, y avait-tu? Ce n'est pas le bon chemin. Ok, donc on pouvait venir ici grâce au raccourci. Sinon, il nous dit que c'est pas le bon chemin. Il faut qu'on aille vers le nord. Pour aller à Tormund. Alors, ok. Mais ça vaut la peine d'explorer. Alors, voyons voir les dégâts que ça fait. Ça me prend 10 points de vie, ok. Ils sont vulnérables, la terre. Okay. Faire la défense, ça nous fait sortir de la synergie. C'est pas très bon. Oh! Ok, ouais, ça fait quand même mal, hein. Mal à soi-même. 30 points de vie pour 3 attaques à 30, c'est. Et cher payé. Alors, si je fais aspirateur de vie. Ok, il est de 82 quand même. Donc c'est intéressant. De jouer sur perte de points de vie pour récupérer le soin, puis après on a l'autre technique qui permet de récupérer 60 points de technique, donc il y a moyen de jouer sur ça. Ouch! Ah là là! On dirait presque le poum de Netflix. Ah oui, même sur la contre-attaque, ça prend des points de vie. Donc c'est sûr qu'en perdant plus de points de vie comme ça, on perd des tours d'attaque quand même. Prochain tour. Et on passe en attaque sur tout le monde. Et elle va mourir à nouveau. Mauvais timing. Hop là, on fait la même. Le
sais pas si quand un personnage est KO, il gagne les points de compétence. Ça, je l'ai ressuscité, je vais pas prendre la chance de perdre les points de compétence. Bon, allez, on va explorer à gauche quand même, sauf s'il me dit, ce n'est pas le bon chemin. Ah ah, l'œil de tout à l'heure. Ah ouais, il y a carrément des passerelles et tout dans la forêt. Boubou. Ih, des dragons. Ih, des dragons. On s'en va. C'est clairement pas le bon chemin. On n'est pas assez fort pour combattre des dragons. Alors, on va tout droit vers le bas. Donc, il n'y a pas de trésor ici. Puis l'autre, c'est à droite. Et c'est compliqué de trouver les trésors avec les trois cercles. Les trucs ne sont pas indiqués sur la carte. Donc, on peut le voir. La téléportation. Changer les symboles. Comment as-tu réussi à traverser Cortana tout seul, Sienna? Ton talent, c'est d'éviter le danger. On n'a pas l'air d'avoir marché jusqu'à présent. Disons que j'ai joué de ma chance. Cela dit, Cortara, Lisvan, doué de compétences magiques, m'est venu en aide. Lisvan, qui sait manier la magie. Cool. Il doit y avoir rien de passé à bas. Simplement. En bas d'abord. Ah, on a le troisième cercle. Et voilà. Le cachet était ici. Ce sont 4. Ah, je peux vu s'il y avait une voile pas. Voilà. Dépêchez d'abattre lui. Invulnérable au vent. Lâchez-le! Ah,
Il y a plus de loup alpha. Focus une personne, il focus une personne. Merde, c'est ça. Deux fibres d'herbe à Yak. Quand on va vers le nord, on va voir ce qu'il y a au bout de tout ça. Un coffre. Eh ben il pleut, on arrive pas loin de Tormund. On va chercher ce coffre. Boléro de Miranda. Alors, ça sera bien pour toi. Tu perds un point technique, tu gagnes un point de vie, mais tu gagnes 3 de défense et 3 d'esprit. Et le doublé, ben on va le mettre à madame. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller chercher, de cacher quelque part? Coffre dans des labyrinthes. De l'argent. Coffre ici. Hop, hop. On passe pas, on passe pas. Bon. Ici, ici, non. Vite, pas le tour. Ouais. Eldange. Ok, puis l'huile. On va chercher où? Passe derrière cet arbre là. Je crois que je ne pouvais pas passer. Ah si, ça marche. Mioli. Peut-être 150 pièces d'argent. Aha. Au coffre, ça. Un juste coffre en métal. Yes. Voilà. Allez ici. Décidément, il y a des coffres cachés partout. On changerait de zone, mais ce n'est pas le bon chemin. À gauche, ils vont me dire la même chose. Ce n'est pas le bon chemin. Ah non. Ici, j'ai le droit. Ah oui, mais dragon. Moi, je récupère la grenouille métalleuse. Eh oui, je pourrais m'amuser à faire des allers-retours le même. Récupérer les objets et les revendre.
Eh bah oui, on revient pas à chaque fois une banane. On ressort, et avait-tu une autre bobole là-bas? Non, ok, bon. Allez, on va avancer. Voilà ces gens-là, non. Lieu de voyage. Hop. Branche. À gauche ici, rien du tout, c'est un mur. Et voilà, pénétrer dans Tormund. Royaume de la pluie. Alors, voilà ta ville natale, Tormund. Oui, c'est la capitale de Tarin, là où la pluie ne s'arrête jamais. En réalité, elle s'arrête de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Cette ville est si morose, ça me donne envie de me réfugier dans un bar pour boire un verre. Ou de prendre un bon bain chaud. Hé, hey, par ici, vite. Le prince Frédéric est sur le point de prononcer un discours devant le palais. Ma main a coupé que c'est à propos des rumeurs. Un discours ? Allons-y aussi. On est les seuls qui n'ont pas de parapluie. Vous croyez que les rumeurs disent vrai ? Apparemment, un aéronef est revenu de Farnsport avec le général blessé. Un général blessé. Il paraît même qu'il y a eu un assassinat. Vous pensez qu'Escania projetait de trahir le traité? Ça fait presque une heure qu'on attend. On devrait peut-être se rendre tout de suite au palais, non? Quand on parle de loup, les voilà. Regardez tout ce monde qui est venu malgré le mauvais temps. J'ai hâte de voir leur tête quand ils entendront la terrible nouvelle. Je devrais peut-être me mêler à eux pour mieux voir. N'affichez pas vos émotions, Dame Elena, Alena. N'oubliez pas votre rang. Moi, vous êtes toujours aussi strict, mon cher général Goodstone. Il en va de même pour vous. Les gens pourraient se faire des idées en vous voyant ricaner en dépit de cette terrible nouvelle. D'accord, d'accord, général Rabajoie. Par ailleurs, je suis convaincu que la majorité d'entre eux ont déjà eu vent des rumeurs. Elles se répandent comme une traînée de poudre. Vous avez fini de papoter ? Oh, mon prince. Dans ce cas, laissez-moi prendre la parole sans vous attendre. Grimoire. Citoyen de Tormund, je me présente à vous avec une nouvelle de taille, une information qui pèse lourdement sur mon cœur. Je vous le demande, pendant combien d'années avons-nous vu nos familles et nos amis se faire assassiner? Depuis combien de générations notre patrie a-t-elle été pillée et ravagée? Quand nos ennemis étaient nourris par les étrangers, nous avons dû endurer la famine et la souffrance. Nous partageons peut-être le Valandis avec Scania et Gravos, mais le sang qui coule dans nos veines n'a rien à voir avec leur. Il y a un an, la conjoncture a changé. Nous avons conquis Winshire et vaincu Gravos. Et tout cela parce que nous avons travaillé d'un seul corps, parce que nous n'avons pas baissé les bras. Mais Gravos, avec ses méthodes sournoises, ne l'a pas supporté. Ils ne se sont pas contentés de massacrer des centaines de soldats tariniens. Et lors de l'explosion, ils ont aussi sacrifié leur propre peuple. Est-ce là le genre d'acte que l'on doit commettre en l'honneur du Valandis? Et l'idée que se fait Escania de l'éthique et de la morale n'est pas moins sournoise. C'est pour toutes ces raisons qu'il me fut si difficile de signer le traité de paix il y a un an de cela. Mais je ne voulais plus de morts parmi nos soldats. Je ne voulais plus que nos citoyens continuent de mourir de faim. À ce jour, je reste intimement convaincu que c'était la meilleure chose à faire. Mais aujourd'hui, une nouvelle est arrivée de Farnsport. Notre chancelier et nos soldats y ont été assassinés. Lors de la cérémonie de paix, les troupes d'Escania ont abattu le chancelier Edgar et nombre de nos braves soldats. Seul le général Mathier a pu en échapper pour nous rapporter cette information. Alors c'est vrai ce qu'on raconte? Comment peut-on accepter cela? Je n'ai pas d'autre choix que de reprendre les armes. La guerre que je voulais éviter à tout prix va reprendre pour la mener à bien. Il me faut votre soutien, ô peuple de Tarin. Toutefois, je vous promets une chose. Vous ne connaîtrez plus la famine ni la misère, car cette guerre se terminera rapidement. Avec l'annexion de Winshire, nous avons pris possession de l'arme qui a dévasté cette région il y a un an de cela. Vous avez bien entendu,
L'arme la plus puissante au monde est maintenant entre nos mains. Admirez le grand grimoire. Il est petit. C'est donc cette arme qui peut raser une ville entière. C'est terrifiant, pourtant, elle a l'air tout à fait quelconque. Si elle est en notre possession, alors plus personne ne nous cherchera les noises. La voilà, Kylian, c'est la même pierre. Oui, c'est le grand grimoire qui a détruit Wenshear. Mais contrairement à ce qu'affirme le prince, ce n'est pas Gravos qui s'en est servi à l'époque, mais c'est Tharine qui l'a toujours eu en sa possession. Comment ? Comment est-ce que vous savez ça ? Pourquoi ne pas avoir dit que vous étiez au courant pour la pierre ? Je suis au courant, mais je n'ai pas plus d'informations que vous. Désolé, Glenn. Nous pouvons, grâce à cette arme, éliminer une armada entière d'un seul coup et mettre rapidement fin à cette guerre. Peuple de Tharine, rassurez-vous, cette guerre se terminera très bientôt et nous en sortirons vainqueurs. Pourquoi le prince montre-t-il le grimoire au public ? Que le peuple se sente rassuré et les rumeurs vont sans nul doute intimider les ennemis. Dépêchons-nous d'aller au palais, je dois lui parler. Mathieu n'est qu'un sale menteur. C'est Victor, à propos du grimoire... Désolé de ne pas avoir parlé plus tôt. Le grand grimoire est une raison pour laquelle je suis en Valandis. Je me ferai pardonner. Il y a une personne que j'aimerais vous présenter. Mais avant, escortons la princesse en sécurité au palais. Oh ho. Ma très chère sœur, louée soit le destin, tu es saine et sauve. Les mots seuls ne peuvent exprimer mon soulagement. Enfin, toutes ces nuits sans sommeil sont derrière moi. Dis-moi, où étais-tu donc passé ? Je suis désolé, Frédéric, loin de moi l'idée de te causer du chagrin. Je devrais être en colère, mais maintenant que tu es de retour à mes côtés, j'en suis incapable. Tes compagnons ont toute ma gratitude. Si c'était n'importe quel autre jour, j'aurais organisé un grand banquet pour célébrer ton retour, mais avec la guerre qui se profile, on doit donner l'exemple au peuple. Ne t'inquiète pas, de toute façon, je ne supporte plus les banquets. Frédéric. Il faut que je te parle d'un sujet sérieux. J'étais présente au banquet de Farnsport et j'ai vu ce qui s'est passé. Ce ne sont pas les soldats d'Escania qui ont attaqué nos hommes. C'était un démon enragé. Vous ne nous apprenez rien de nouveau, mouhahaha. Que voulez-vous dire ? Sir Mathieu nous en a déjà parlé. Il nous a soumis un rapport très détaillé sur cette soirée. Général Mathieu, pourquoi ne pas en parler vous-même ? Mathieu ? Avec grand plaisir. Comme la princesse l'a raconté, un démon a attaqué le banquier. Mais même la plus redoutable des créatures n'a pas pu faire le poids face au meilleur chevalier du Valandis. Le monstre a été abattu rapidement, mais le véritable monstre n'est apparu qu'après cet incident. Escania a dévoilé son vrai visage. Le chancelier Sigurd a profité du chaos de l'attaque pour faire assassiner nos hommes, ainsi que le chancelier Edgar. Ce sont les lames d'Escania qui ont mis nos hommes à mort. Il ne fait aucun doute qu'ils auraient désigné le démon comme responsable, mais j'ai pu m'échapper et vous rapporter la vérité, mon prince. Un mensonge ! Comment pouvez-vous affirmer que je mens avec le désordre qui régnait là-bas ? Gardez-vous de dire un mot de plus, misérable traître. Ne lui fais pas confiance, mon frère. Je vous ai vu de mes propres yeux, c'est vous qui avez donné l'ordre aux voleurs de tuer Dame Parnella. Et ce n'est pas tout, mon frère. Après le banquet, je me suis empressé de rentrer au pays en passant par Cortara. Devine, qui s'est mis en travers de mon chemin ? Ce même homme, et il a même essayé de m'assassiner. Avec tout le respect que je vous dois, c'est faux. Pourquoi, diable, dites-vous une chose pareille ? D'abord, vous déclarez que je mens au sujet du banquet, et maintenant vous essayez de me calomnier. Mon prince, ne la croyez pas ? Elle a l'air désorientée. Tu es parti depuis longtemps, Celestia. On reparlera tout cela de plus tard. Il est préférable que tu ailles dans tes appartements pour te reposer. Quant à tes compagnons, je vais leur assigner les meilleures chambres de la ville et je les récompenserai généreusement demain. Frédéric, l'heure n'est pas à mon bien-être. Cette guerre repose sur un mensonge. Je comprends ton point de vue et je te promets que nous en reparlerons ce soir, mais pour l'instant, va te reposer s'il te plaît. Je vous en prie, mon prince, ne me demandez plus jamais de faire une telle chose. Mentir à la princesse me brise le cœur. Et cela lui briserait le cœur si elle découvrait que son frère sait pertinemment que c'est Sir Mathieu qui a ôté la vie du chancelier. Votre vérité nous sert mieux que celle de ma sœur. Vous avez joué votre rôle à la perfection, général Mathieu. Merci, mon prince. Ou on pourrait presque croire que la personne qui ment dans cette histoire, c'est ma sœur.
Dommage que ce soit la personne la plus honnête du Valandis. Je suis bien d'accord, Mathieu. Avancez. Mon prince, retirez votre armure. Mon armure ? Mes mots ne sont-ils pas suffisamment clairs ? Je ne comprends pas. Comme vous l'avez dit, ma sœur est la personne la plus honnête de tout le Valandis. Alors, quand ma sœur affirme qu'un démon a fait irruption au banquet, c'est exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas ? Oui, mais nous le savions déjà. Si ma sœur dit qu'un groupe de nains chante une ode à la lune au sommet de cette tour, c'est qu'un groupe de nains se tient au sommet de cette même tour et offre la plus grande ode à la lune. Mon prince ? Si ma sœur clame que vous avez essayé de la tuer, c'est que vous avez vraiment attenté à ses jours. Mon prince, attendez, s'il vous plaît. Elle a juste dit ça pour me discréditer. Donc, ma sœur est une menteuse, en fin de compte ? Non, enfin, je veux dire, dans ce cas précis. Mon prince ! Je dirais que la chance est de votre côté aujourd'hui, général. En temps normal, je vous aurais fait égorger. Mais puisque votre témoignage est le point de départ de cette guerre, notre peuple se poserait des questions si je devais expliquer que vous avez été exécuté après votre retour. Je suis désolé, je vous en prie, je ne voulais pas nuire à Tarine. Mais le peuple comprendra certainement pourquoi le général Mathieu est revenu borgne et manchot de ce banquet sanglant. Non ! Ah ! Ah, c'est plus... Ah ! Sir Victor a dit qu'il reviendrait avec quelqu'un qui pourrait m'en dire plus sur le grimoire, mais ça fait déjà une heure. Sienna et Killian sont allés en ville, Rob et Len sont restés au château. Je ne tiens plus en place ici, peut-être que moi aussi je devrais jeter un coup d'œil à la ville. Alors, y a-t-il des choses à aller récupérer dans les chambres ? Il n'y a rien de mieux que de s'installer ici, de lire un livre et de boire une tasse de thé bien chaud alors que la pluie tombe contre la fenêtre. Je vais mettre de l'argent. Ah, il y avait d'autres chambres. Il y a un minou à caresser ici. Oh, une eau sacrée. Ça a l'air d'être un... Ah oui, les eaux sacrées, c'est pour récupérer les emblèmes de classe. Super important. Alors, ici, on n'a rien. On a des gens avec qui parler. Un autre verre de liqueur d'oignon. Liqueur d'oignon, arc. Des oignons marinés avec beaucoup de sucre, la liqueur d'oignon est très prisée à Tarine. On dit que les Escaniens aiment faire la fête, mais quand il s'agit de boire, personne ne nous arrive à la cheville. La pluie constante et l'ambiance sombre est plombée. Plombe notre moral. Nous, à Tormund, nous sommes considérés comme particulièrement mélancoliques. Alors, par où on va ? Ok, j'ai le choix entre aller à droite ou à gauche. Ah, la Ligue des Aventuriers. Il n'est pas un membre de cette guilde, alors laisse-moi tranquille. Une lettre de la guilde des aventuriers de Farnsport ? Voyons voir. Ah, excellent. Vous êtes donc de nouvelles recrues. Félicitations. Traverser Kortara en ces temps difficiles a dû être ardu. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez désormais compter sur nous. Nous vous offrons de nombreux services. D'abord, vous pouvez utiliser notre boutique. Elle contient des objets uniques et vous pouvez trouver de nombreux matériaux pour améliorer votre équipement. Ensuite, vous pouvez consulter des conseils utiles sur la façon de trouver certains monstres uniques. Troisièmement, vous serez rémunéré pour le nombre de monstres uniques différents que vous avez vaincus. Il vous suffit de venir me parler pour obtenir votre récompense. Joyeuses aventures. Hey hey, hi hoi, hey hearty. C'est le nom du succès. On a rejoint la guilde. Alors, continue comme ça. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Alors, on peut acheter du minerai d'étain. Il m'en fallait 3. Pour améliorer... Le sabre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonnes affaires ? Attends, je vais vendre d'abord les nouveaux trucs que j'ai à 1200. L'eau de matériel rarissime. 2000 piastres. Ah, ça coûte cher 2000. Bac céleste. 1000. Ah, ça peut aller. Et hop là, une bac céleste.
Qu'est-ce que je peux acheter d'autre? Bah ça, on verra. Ok, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut acheter. Ouhou. Donc, équipement. On va regarder la bague céleste, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça donne rien de statistique. Réduit les coûts des compétences de 20%. Oh! Médaillon, ça fait quoi? 3 de magie? Tu as besoin de conseils pour trouver du nouveau monstre unique? Comme tu es membre de la guilde, pendant tes voyages, tu rencontreras des aventuriers qui partageront leurs informations avec toi. Alors, je voulais te faire le tour. La guilde des aventuriers est principalement dirigée par des Polko, les Lisvans et les Iom. Et des Iom, ok. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des points invisibles à Cortara, des ponts invisibles. Il y en a dans la zone centrale et d'autres dans la forêt du sud-est. Je me demande qui les a construits. Tu peux aller les voir. Oh, il n'y a rien à trouver là-bas, j'ai déjà vérifié. Il y a des conditions spéciales qui font apparaître des monstres uniques. Ils n'apparaissent toujours pas, quitte la zone, puis entre-y à nouveau. Tu as entendu parler des tomes des monstres, tu peux les obtenir grâce aux bonnes affaires. Grâce à leur connaissance, tu pourras peut-être obtenir de nouveaux butins, des monstres uniques, comme des accessoires, des cristaux ou même des RAM de compétences. Ah. Alors, maintenant tu fais partie de la guilde, bienvenue. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser ici. Ok, bon, ça y est, on a rejoint la guilde, ça c'est fait, c'est bien. 1, 2, 3, il y a des numéros. Ah, c'est les gens à qui je dois parler, ou les lieux que je dois aller voir. Alors, ok, lui, vendre des matériaux, hein, c'est tout. En raison des fortes pluies, les habitants de Tormund décident de construire une ville entière sous terre. Ah, ouais. Un petit peu d'argent. Donc, améliorer armes. Katana Bokken. Bokken plus. Ok, il faudrait 3 autres minerais d'étain pour l'augmenter en plus plus. Peaufine, minerais d'étain. Ouais, il faut plein de minerais d'étain. Longue plume. Et améliorer armure. Eh oui, on peut améliorer le juste corps en métal. Hop, le boléro Miranda, oui. Et la robe chatoyante, on peut encore l'améliorer. Tombe bien, c'est bien pour robe qui n'a pas beaucoup de vie. Voilà, il faut plein de longues plumes. Combiné de cristaux, je n'en ai pas ramassé beaucoup récemment. Avec une pluie pareille, il vaut mieux porter de bons vêtements. Et oh, t'es sec alors. Lui, il y a un autre qui vend juste des composants. Commençons cupide, maintenant que nous sommes à nouveau en guerre, ont immédiatement augmenté leur prix, leur coût de nourriture. Je sens que les restes. Je vends des objets divers et variés, peut-être que quelque chose vous intéresse. Ah, il vend des longues plumes. On dit juste ça des marchands. Lui, il vend des armes. Oh, Copis. Oui, 25 d'attaque. C'est bon ça. Ça fait beaucoup d'attaque en plus. Et là, je vais manquer d'argent. Donc, je pourrais vendre l'épée de fer, l'arc long, la rapière, katana commun et. Ouais, c'est ça, les armures. Plastron en argent, ça c'est trop vieux. Chemise simple. Corbeau, on va quand même en garder une, ça y a rien à vendre. Et ça on garde, voilà. Ok, au moins c'est un petit peu d'argent. Coffre ici, 3 réveils. Nous nous vengerons de Escania. Nous en avons déjà assez de cette guerre éternelle. Le grand grimoire les écrasera tous.
Une fois le roi a essayé d'interdire l'alcool en temps de guerre, on était plus censé nous concentrer sur le meurtre que la boisson. Et ça a marché, sauf que les gens se tuaient entre eux. Se tuaient eux-mêmes au lieu de tuer l'ennemi. Ouais, pas de question. Je serai partant pour un hamburger. Pourquoi y a-t-il tant de gens debout ici? Ils sont scandalisés par le coût de la nourriture. La guerre vient d'éclater et les prix ont déjà triplé. Mon dieu. Ah ok, d'accord, c'est ça le 1, 2, 3. Mais c'est même ce que je vais trouver dans... Les gens se plaignent qu'ils ont augmenté les prix depuis la guerre. Mais ce n'est pas nous qui dictons les prix. Ok, là c'est des marchands qui vendent rien. On commence à construire cette ville souterraine avant la guerre, ce qui signifie que la construction a débuté il y a plus de 150 ans. Ils ont dû s'arrêter et n'ont jamais repris. Les étages inférieurs sont inachevés et bloqués. Parfois, je me demande jusqu'où ça peut aller. Ok, il y aura sûrement des tunnels à visiter à un moment donné. Entrer ici. Waf waf. Je peux t'aider? Tu veux du thé? Ou peut-être du café? Peut-être que tu as besoin d'utiliser des toilettes, ou alors tu veux dormir dans mon lit? Hein? Non, alors pourquoi déboules-tu chez moi sans invitation, hein? Allez, où cette espèce de parasite? Ça, c'est vraiment drôle, c'est vraiment l'allusion dans les jeux où tu rentres chez les gens sans raison, et puis tu pilles tout ce qu'il y a. Oh yes, 1500. C'est la porte numéro 2, on va essayer de voir la porte numéro 3. Elle est bloquée, ah non. Collier d'herbe. Ah bah, j'ai bien fait de visiter tout ça. On va au moins s'équiper du corpus. Ok, bon, là, par rapport à l'objectif, on dirait que... C'est la ville, ouais. C'est... Bon bah... Ah, ça c'est quelque chose. Qu'est-ce que Kylian fabrique ici? Oh, c'est toi, Glenn. Est-ce que Sir Victor est rentré? Pas encore. Qu'est-ce que tu fais ici? Je profite du paysage, maintenant qu'il ne pleut plus. Je n'arrive toujours pas à y croire. Le grand grimoire est juste sous notre nez. Et? Comment ça, et? C'est la raison pour laquelle on est là? On voulait en savoir plus, savoir qu'il avait apporté à Winshire à l'époque, et surtout pourquoi. Et maintenant? Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu veux dire? As-tu l'intention de faire avec ce qu'on a appris? Bah, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Tu n'en as aucune idée, pas vrai? En tout cas, je sais que toi, tu veux la pierre pour toi tout seul. Je veux changer ce monde et disposer d'une telle arme serait utile. Même si tu sais de quoi elle est capable. Tu ne trouves pas ça abject? Le grimoire peut tuer des gens. C'est exactement pareil avec nos épées, et pourtant on les brandit tous les jours au nom de notre cause. Tu dégaines cette épée et choisis ta cible. Le grimoire anéantit tout. Comprends-moi bien. Chaque vie humaine est précieuse à mes yeux, mais il suffit de regarder en arrière. On marche sur une montagne de cadavres, le sang d'innombrables personnes sur les mains. Le sang de personnes qui étaient prêtes à mourir pour leur cause. On ne tue pas les innocents. Dans la mesure du possible, je préférerais ne pas avoir recours au grimoire. Il est bien plus utile en tant qu'arme de dissuasion, de toute façon. Les ennemis déposeront leurs armes rien qu'au son de son nom. Tu te souviens comment nos adversaires craignaient la bande du taureau de fer? Est-ce que tu sais au moins pourquoi je veux changer ce monde? Non. Je viens d'une famille de marchands plutôt, mais comme les opérations financières ont mal vu, je vous viens, nous étions pas très influents. Nous avions une grande maison, des domestiques, des vêtements toujours propres et suffisamment de nourriture, mais tout cela ne nous protégeait pas du monde extérieur. Un jour, ma petite sœur est partie faire une balade à cheval et Lucy s'est emballé. Il a galopé à travers la moitié de la ville jusqu'à ce qu'il trébuche dans le quartier du port. Il tombe par terre et se casse la jambe.
Ma sœur a cherché de l'aide dans un quartier qui, même en plein jour, n'abritait que des truands. Faible et livrée à elle-même, elle n'a pas pu se défendre quand ils s'en sont pris à elle. Des dizaines d'hommes se sont jetés sur elle les uns après les autres. Kélian. Notre majordome l'a retrouvée dans un caniveau quelques heures plus tard. Elle était dans le coma. J'étais tellement en colère que j'ai chevauché jusqu'au port le soir même pour trouver les coupables. Mais qui étais-je censé trouver? La moitié du quartier avait abusé d'elle. Je suis tellement désolé d'entendre ça. Je ne l'ai pas revue depuis des années, mais d'après les lettres de mes parents, je sais qu'elle dort encore. Glenn était quelqu'un de très ouvert qui avait pour modèle Alfred de la bande du Dragon Blanc. Un homme devenu célèbre grâce à ses mercenaires qui, à un moment donné, étaient tout aussi puissants que les armées des plus grands royaumes. Comme il venait du petit peuple, il a essayé d'abolir les maisons royales et d'établir une démocratie. Je voulais être comme lui, et après ce qui est arrivé à ma sœur, je voulais lui ressembler encore plus. J'aurais pu éprouver de la colère pour le peuple, mais ça n'a pas été le cas. Je ne voulais pas me battre contre la classe inférieure, mais plutôt contre ceux qui l'ont poussé à devenir comme ça. Je me suis fait la promesse que si jamais ma sœur se réveillait un jour de son coma, elle le ferait dans un nouveau monde. Un monde meilleur que je créerais de mes propres mains. Et pour y parvenir, je me dois d'envisager toutes les options. Comme le grand grimoire. La première chose que ta sœur verra à son réveil ne sera pas le monde magnifique que tu as créé, mais le monstre que tu seras devenu, ton frère. Ne t'inquiète pas, on n'arrivera jamais à mettre la main sur cette pierre de toute façon. Ce ne sont que des paroles en l'air, Glenn. Qu'est-ce que tu penses? Alors, on pourrait visiter encore la ville, mais c'est le temps de s'arrêter ici. La partie ouest de la ville sera pour la prochaine fois. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer, et n'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.